Et yo les gens, c'est Oura. J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va vraiment super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est, comme vous pouvez le constater, sur Far Cry 4. Et donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, qu'on n'a pas été dessus. Et je vous donnais la même. On n'a pas mis de vidéo aussi sur Epsilon. Donc, je tenais à m'en excuser parce qu'en ce moment, on a d'autres choses à faire. On a les examens qui vont arriver, etc. Donc, on a déjà passé, il y en a encore d'autres qui vont arriver. Donc, voilà, c'est pour vous dire. Donc, alors, on a vite fait. Ouh, il y a des copains là-bas. Crève, voilà, merci. Ça fait 10 points d'XP. Événement Carvatar, nickel. On commence directement bien en écrasant des gens. Donc, je ne sais pas encore ce qu'il faut faire. La carte, elle est devenue comme ça. Et faut que j'aille voir Longinus. Ce que je me rappelle, faut qu'on aille voir Longinus. Donc, on va y aller. Alors moi je vais faire une tête, tu vois, je fais une coupure. Non, je fais peut-être pas de coupure, bref. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, franchement, bah, depuis le temps ça va. Hein. Dans cette vidéo, donc, on reprend l'aventure Far Cry 4. On doit aller voir Longinus qui va nous. Donc on doit aller voir Longinus pour qu'il nous fasse sa présentation, pour qu'il se présente, etc. Et donc je vous expliquais pourquoi je faisais pas de vidéo. Ouh, j'ai fait un dérapage un peu quoi, c'était tellement beau. Donc je vais vous expliquer. Donc j'ai eu quelques soucis PC. Donc je m'explique. Mon Windows 7 arrêtait pas de bugger, j'en ai eu marre. Donc je suis passé sous Windows 8.1. C'est pour ça que le jeu est encore plus fluide qu'avant. Peut-être augmenter les graphismes plus tard, on verrait. Donc là le jeu, entre parenthèses, le jeu est en ultra là. Donc voilà. Donc là il y a un marchand mais je passerai pas. Alors avec le temps donc je vais vous faire un petit remémoriser les armes qu'on avait. Donc en armes donc on avait ce petit gun qu'on avait acheté en or avec charge améliorée. Et le je crois qu'il y a le silencieux. Ouais, il y a le silencieux. Donc voilà. On avait aussi acheté. Voilà, le SVD, le sniper. Ou bien je l'ai acheté en off, je sais plus, mais je crois que je l'avais. Voilà. C'est rappel des armes. Donc Far Cry 4, j'espère que vous n'avez pas oublié. Si vous avez oublié l'histoire, bah retournez voir les épisodes premier, deuxième épisode. Voilà. Donc, entre temps, il y a peu de vidéos, donc pour combler le manque, parce que bon, je pense que ça a dû, vous avez dû voir le changement. Il y a eu un rework graphique d'Epsilon que j'ai fait. Parce que bon, je vais pas me vanter de l'avoir fait, mais ben, j'ai refait un rework total d'Epsilon, logo, bannière, etc. Ainsi que les miniatures, et on est arrivé chez Longinus. Presque. Aïe. Alors par contre là, je sais pas contre vous, mais il y a un coffre. On va le fouiller, voilà. On va monter sur le quad, et il y a des coups de feu. Je sais pas si vous entendez des coups de feu. Je pense qu'on va devoir buter des gens un par un. Ok, ça fuit. Non, je vais pas péter. Hop, hop, allez, prendre l'argile. Qu'est-ce qui... Arrêtez de tirer, merci. Ferme là. Excusez-moi pour la violence. Donc voilà. Donc, on va reprendre des. Ah, oh, c'est pas chiant ça. On va reprendre les coffres. Arrêtez de tirer. Il y a très de connards. Bon. Moi je conduisais des balles à rien. Donc c'est un peu chiant la fouille. Hein, voilà. Et on doit aller voir Longinus. Soit si c'est une cinématique ou non. Longinus. Bienvenue, je suis Longinus. Et toi? Tu es AJ. Bienvenue dans mon église, loin de l'église. Tu vends des flingues? Bien sûr! Car les doux hériteront de la terre, mon ami. Il ne leur manque que de bons flingues. Révélation 5-5, c'est une lecture très revigorante. Alors l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et pour briser ses sept sceaux. C'est notre sauveur, il nous est revenu sous la forme d'un lion, d'un guerrier. Alors, j'ai commencé à me dire, si le fils de Dieu est ressuscité, quel type de flingue voudra-t-il? Quand le Christ revient pour briser les sept sceaux et amener le ravissement, il est le lion, pas vrai? Et un lion,
Ça a besoin de crew. Quel flingue choisirait Jésus? Deutéronome 32-47. Car ce n'est pas une parole vaine pour vous, mais votre vie. Ou bien... Proverbe 19-11. L'homme qui a la sagesse et l'homme à la colère. Je comprends pas ce un que soldat vous... sait. Les soldats savent toujours. Car nous avons vu le ravissement. Et avons survécu. Il te faut des flingues pour faire le bien, Edgy. Chaque arme est une Bible. Et chaque balle, un sermon. Pour chaque tour radio que tu vas libérer des mensonges de Pagan, je te ferai un don. Un cadeau. C'est la volonté de Dieu. Tiens, voici déjà le premier. Banapour se fait attaquer! On a besoin d'hommes, et tout ça de marche. Suite! Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque! Ne t'embête pas, Arsène! Alors, il leur dit, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création! Ok, bon, alors là, on peut dire qu'on était avec un gros taré. En gros, là, on doit retourner directement voir Sabal parce qu'ils se font attaquer par les soldats de Pagan. On a 5 minutes, ou 6 minutes pour y aller, je pense qu'on a largement le temps pour 700 mètres. Faut juste suivre la route, on est très vite. Par contre, je m'intéresse pas aux côtés. Je roule vite. Voilà, donc... J'aimerais tellement que tu te souviennes de cette époque, AJ. Moi, ta mère et toi dans tes bras. Oh, les beaux jours. Elle n'a jamais été plus heureuse qu'à cette époque, et je dois dire que moi aussi. Nous faisions des projets, pas seulement pour notre petite famille, mais aussi pour le Kirat. Ce pays n'a pas toujours été comme ça, et j'aimerais revenir en arrière. Mais il est trop tard. J'ai essayé, j'ai vraiment, vraiment essayé. Mais cet endroit te démolit. Ne les laisse pas t'enfoncer, AJ. Ishwari ne t'a pas renvoyé ici pour ça, pas vrai? Donc en gros, Pagan vient de dire, ouais, Edgy était mon fils. Alors que pas du tout, c'est le fils de Mohan. D'accord, donc en gros, Pagan a un problème. Si vous avez pas compris, en fait, Ishwari, c'est la mère d'Edgy. Ishwari était avec un homme qui s'appelait Mohan, et ils ont eu un enfant qui s'appelle Edgy, c'est le personnage. Et Ishwari avait vécu un moment avec Pagan. Je suis là, Sabal. Qu'est-ce que je peux faire? Putain! Reste à couvert et sauve tout seul que tu pourras. Je suis pas loin, j'arrive avec des renforts. Débarrasser cheveux. Attends, non, ça c'est des villageois. On va y aller en mode sniper. J'ai en mode. Mode sniper. Oh, quelle précision en fait. Meurs. Survie mon grand, survie. On va soigner, voilà. Recharge. Faut pas courir en même temps. On survit. On est vu. Ouais. Je me rappelle d'avoir déjà fait cette mission. En solo. Enfin, j'avais pas commencé avec quoi, j'avais encore... Très bon grand. Normalement, c'est le dernier, là. Encore le dernier. Ah, il vient le sniper ça, sur ce jeu. Je sais pas où ils vont atterrir. Il y avoir des mines. Non, il n'y a pas de mines.
Oh, j'ai tué deux. Voilà, par contre, je suis pas trop en mode. J'essaie de me répéter en visant. Soigne-toi, mon grand, soigne-toi. Par contre, il bouge vraiment pas quand il tire. Waouh! Ce qu'il y a, c'est qu'on a pas de temps pour les tuer en fait. Il a passé pas mal de munitions. C'est les soldats qui dirigent vers la maison communautaire. C'est là que se trouve Badra. Aidez, sauve-la. Allez, allez, allez. On a aidé Badra. Badra, si vous vous rappelez pas, c'est la petite fille. C'est la fille de... pas quand il y a le feu comme ça. J'ai plus de seringue. Bref, alors j'aime bien les missions comme ça où on doit foncer dans le tas, où on doit tuer les gens. Non, je suis pas trop en mode. Allez là, c'est bon. Par contre, je suis pas trop en train de cramer moi, et c'est pas trop un sac à patates. Il tombe avec la fille en mode non, moi je me ferai mal, mais elle non, elle aura rien. Je vais bien. Les gens ont besoin de la voir, ça les rassure. C'est qu'une gamine, sa balle, et elle est terrifiée. Je vais la ramener, et puis ensuite on s'inquiétera pour les gens, d'accord? Merci. Ça va, toi? Voilà ce qu'on a gagné en sauvant AJ. On attaque Paul, et il massacre tout un village. C'est pas la faute d'AJ, c'est la mienne. Mais on verra ça plus tard. Ils ont pris l'avant-poste, et ils ont des otages. Bon, commence par l'avant-poste. Sans lui, on est coupé des autres. Allez. Là, ça va devenir intéressant. En fait, en gros, Amita... En fait, je vais vous résumer la cinématique. Amita ne peut pas nous blairer. C'est simple, ne peut pas nous blairer. Alors, j'espère que vous mettrez un petit pouce vert pour ma prestation sniper. Non, pas du tout, j'ai rien à dire. Nouvelle compétence. Ah, alors, compétence. Est-ce que je prendais pas encore des points de vie? Sachant que je ne peux pas encore. Faut un point. J'ai... Alors, monter sur un éléphant. Correction sur un pour courir et agir plus vite. Respirer sous l'eau, ça sert à rien. Comment concentrer les véhicules va subir plus de dégâts avant de nécessiter réparation? Je ne vois pas l'intérêt parce que je change directement de véhicule. L'outil réparation, non. Récolter deux fois plus de feuilles, non. Vous êtes moins vieux. Ah, voilà. Vous êtes moins vulnérable aux dégâts et aux flammes, aux dégâts des flammes et aux explosions. On va prendre ça. Ça me permettra, vu que ça me permettra plus survivre parce que je pousse pas dans le tas. Trouver le carat, le roi du mine. La menu de collection de ce guide est mise à jour en mesure de rentrer les gens dans des lieux et chasser les animaux. D'accord. Alors. Il faut qu'on parle. Sabal, qu'est-ce qui se passe? Je dois aller à Banapour et Amita se concentre sur. Tais-toi, 5 secondes. On va vendre la peau parce que c'est simple d'avoir. 74K. On va acheter. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Un gilet pare-balles. Ça peut être intéressant. Des seringues pour se soigner. J'en prends... Ouais, bon, autant faire le plein. Hein. Oh. Ah, d'accord, j'ai tout dépensé. Ah ouais. Et donc, ici, en armes, je reprends mon SVD. Prendre mon SVD et en arme de poing je reprends mon AJM9 que j'ai bloqué via Uplay. Voilà. Toi, il faut que tu nous aides avec les otages. Je sais que je t'en demande beaucoup, mon frère, mais il faut les sauver avant qu'on reprenne l'avant-poste. Mais Amita a dit... L'avant-poste est important, mais notre priorité doit être la vie de ces otages. Le peuple du Kirat dépend du Sentier d'Or pour sa protection. On ne peut pas les abandonner. Libère les otages, mon frère. Ok, donc on va prendre... Bon, on va faire ça cet épisode-là, et puis... Paganmi, c'est un mec très très méchant.
On doit aller là-bas. Il est pas magnifique ce flingue. Sérieux. Bref. Allez, on va au trajet. On va faire le trajet. Je vais couper son montage. Allez, à tout. Voilà, on est enfin arrivé. Alors. On doit sauver des otages. On va essayer d'être discret. Parce que c'est une mission discrète. On va prendre le sniper. Peut-être dû prendre un arc en fait. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Donc, je dois sauver au moins deux otages. Rêve. Tu meurs. Les deux otages sont en bas. Juste protéger les otages. Je vais t'éventrer comme un animal. Ah non, finesse. Ah, c'est pas ça qu'il faut. Pas comme ça qu'il faut faire. Mais surpris de la mauvaise façon, c'est pas grave. Allez, on recommence. On y va en mode plus discret avec la JM. Parce que j'ai pas d'arme silencieuse. Ah ok, d'accord, donc je vais faire tout le chemin. Ah non, c'est bon. Je sais comment ça marche. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai oublié comment ça va fonctionner ce truc. On va passer par en haut d'abord pour pouvoir les buter et ensuite seulement. Ça sera plus simple pour pouvoir sauver les otages. Cette mission, j'avais réussi sans problème avant. Parce que j'avais un arc. Juste pour ça. Ah. Donc. On va aller là. Je suis sûr que j'ai entendu quelque chose. Mort. Lui il est mort. Et t'as jeté otage. Voilà. C'est bon, ma mission est finie. Les otages sont sauvés, Sabal. Tu honores le nom de ton père, EJ. C'est ce qu'il cherchait à accomplir en fondant le Sentier d'Or. Aider son peuple. C'est bon. Écoute, moi je suis pas venu là pour mon père, ni pour tout ça. Tu peux vraiment être utile, mon frère. Regarde tout ce que t'as fait. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais en aidant le Sentier d'Or, tu arriveras à Lakshmana. Je te le promets. On trouvera ensemble. Merci, ça va. Voilà. Négociateur, mission terminée. Et moi je suis ton ami, mon gars. AJ, c'est Amita. Je sais que Sabal t'a envoyé libérer les otages au lieu d'aller reprendre l'avant-poste. C'est marrant ça. C'est nouveau ici et Sabal peut être très persuasif. Je voulais juste aider un peu. Et j'apprécie ton dévouement. Mais tu dois avoir plus de recul. J'avais tout mis en place pour qu'on puisse s'occuper de l'avant-poste. Et maintenant je dois briefer mes soldats pour qu'ils protègent les otages que tu as sauvés. Les protéger de quoi? De pleurs. Il n'aime pas perdre ses joujoux. J'adorais le rakshi du vieil Isha. Tu comprends pas, AJ. On avait un plan. Et maintenant, dommage, on est foutu. Arrêté. Il faut un bon temps avant de pouvoir réattaquer Tom. Et en attendant, les soldats ennemis installés dans l'avant-poste vont pouvoir se barricader. Pas si je peux empêcher ça. AJ, attaquer l'avant-poste tout seul, c'est du suicide. Attends qu'on puisse t'envoyer des renforts. Je peux y arriver, Amita. AJ, non, me... Alors là... Je sais pas. Ouais, donc on va faire l'avant-poste. Allez, pour faire plaisir de cette absence qu'il y a eu. On va aller à l'avant-poste, on va finir ça. Récupérer l'avant-poste. Ah, j'ai la thune à dépenser. On va acheter un silencieux si on peut. Écoute-toi.
Est-ce que tu auras beaucoup d'argent d'un coup? Je pense que oui. J'ai de nombreux articles. T'as beaucoup d'articles, merci. C'est bien, mais j'aimerais bien aller dans armes, le SVD. On va voir si j'en suis d'accord. Le prochain sniper, il est où? Arme spéciale. Ah, ils ont question d'une arme spéciale. Alors, le Stormer qu'on peut acheter, celle on peut l'acheter. L'éventreur, il a l'air sympa. L'AMR, ok, donc c'est l'AMR, le prochain sniper comme ça. Ok, donc ce qui va se passer, et aussi si, ah oui, le, il y a le, c'est mécanique, il y a une arme qui sera débloquée bientôt, ouais, que j'aurai pour débloquer, ce sera le, comment ça s'appelle, le harpon, je crois que je le débloque. J'espère que ça t'aidera. Voilà, donc, je peux pas, on va aller là-bas. AJ, oui. C'était seulement pour vérifier que t'étais bien là. Si, sérieux lui. Pardon, excusez-moi. Allez, on va faire ce trajet là, comme il est court, je vais rester, je vais pas le couper au montage. Attention, attention. Bon, je sais que je suis pas dans un 4x4, mais je peux quand même tenir un minimum la route. Ouais, non, vu comment je roule. Bon, préparez le vomi bag à côté, on sait jamais. Hein. Hop, hop. Ah là. C'est plus rapide que de le faire à pied. Hein. Voilà. Allez, ici. Allez à mon poste. Oh oh oh, freine. Voilà, bon. Alors là, ça, on va le faire d'abord. Alors le poste pour l'alarme. Ah, y'a l'éléphant. Merci l'éléphant, tu aides à ma cause. Vous voulez savoir quoi? L'éléphant. Je vais monter dessus. Allez, on est chaud. L'éléphant. Oh, c'était beau. Bon, l'avant-poste aurait été très rapidement débloqué. Hein. Un poste libéré, aucune alarme. Ah là. C'est comme ça qu'on fait. Avec un éléphant, c'est plus rapide. Hein. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Déjà, non, on va attendre la fin de la cinématique. Ouais, cinématique. D'abord les otages, allez, maintenant l'avant-poste. Tu n'écoutes vraiment rien, AJ, mais je dois admettre que tu as fait du bon travail. Merci. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Ta mère serait fière. Tu veux aller où déjà? À Lakshmana? Le voyage ne sera pas simple. Le Nord est aux mains de Paganmin depuis des années, et ici on se bat comme on peut. J'ai promis à ma mère de rapporter ses cendres. C'est sa dernière volonté. Réfléchis bien, AJ. Ta mère savait exactement ce qui se passerait à ton arrivée au Kirat. Le fils de Mohan Gale revient dans son pays natal en pleine guerre civile. Ishwari savait ce qu'elle faisait. Ta présence ici et l'aide que tu apportes ne sont pas un hasard. Bats-toi avec nous, AJ. Rejoins le Sentier d'Or et je te le promets, tu exauceras le dernier vœu de ta mère. Que ce soit en dispersant ses cendres à Lakshmana, ou en réalisant quelque chose de plus grand. Est-ce que mes parents ont vraiment fondé le Sentier d'Or? Oui, c'est vrai. Ils voulaient libérer le Kirat du régime de Mine. Tu as l'occasion de nous aider à finir ce qu'ils ont commencé. Alors, réfléchis bien, AJ. Maman, je crois que je vais rester. Et on a fini l'acte 1. Ah, c'est temps que les choses sérieuses commencent. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je sais qu'il y a Jean-Cop. Ça, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis,
peace out les gens et au prochain épisode. À plus. Ouh. Allez, à plus les gens.